Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Garbage. Et on allait se mettre du côté des fantômes. On n'a pas peur de toi et non. En plus, le pauvre fantôme, il essaie de fantômer. Allez, c'est parti. Il est tout seul, il est niveau 21. Waouh, ça commence à être costaud cette zone, hein. Je suis un assassin, pourquoi ne me crains-tu pas? Pareil, niveau 21. Frénésie, 40-80% de chance d'ignorer toute armure, fixation de la ligne de front. Les personnages en ligne de fond, pardon. Les personnages en ligne de fond font une fixation pendant 15 secondes. Les cibles fixées ne peuvent pas bouger et reçoivent 20% plus de dégâts. Attaque de zone, 15 à 25% de chance de faire des dégâts critiques. Waouh! Ah, il pique, hein! Effroi, coup croissant, uppercut du coude, coup aérien. Le double coup de pied. Ok, bah je crois qu'on n'a pas encore le niveau pour se frotter à cette zone en fait. Ils sont un peu vénères les mecs. Du coup, on va se faire le port. On va envoyer Noah et Kenshi, nos deux personnages d'anthologie. Un stun et bim, le coup de pied dans ta tronche. Kenshi est KO, mais il a fait le taf assez longtemps. On récupère encore du poisson, une bouteille d'eau. Et lui, il nous file 4 balles. Bon, ça va, c'est pas donné, hein. T'aurais pu nous filer un peu plus, hein. Sauf que tu vas te faire du blé avec tes poissons. Mais bon, tant pis. Alors, de l'eau de vie et de l'eau du vin et de l'eau bénite. On trouve du vin. Ici, la décharge s'est tendue. Ouais, non, du coup, on pourra envoyer Noah, il va galérer à taper. On pourra envoyer Michelangelo, qui est quand même level 11 maintenant, qui a toutes ses compétences. Il va peut-être pouvoir gérer un peu plus efficacement cette fois. Ouais, Canton, je pense que la zone, elle est encore un petit peu trop vénère pour nous là. Ah, il nous a stun, putain, dommage. On lui faisait bien mal pourtant là, en plus on lui a mis une hémorragie et tout. Mais le stun. Le stun, c'est fatal. Hein. Bouge-toi, toi, repose-toi aussi. Puis bah, toi, t'es un peu fatigué, donc tu vas tranquillement mendier. Pendant que les autres récupèrent. Toi, monte en force. Toi, monte en agilité. Ici, on peut mettre une graine. J'ai encore oublié, mais c'est toujours pas la nuit qu'il nous vend. Non, c'est dans le port qu'il est, le mec qui vend ça. Ouais, c'est là. Donc il faut vraiment que je pense à y passer la nuit, là. Dans le quai de chargement. Repose-toi, toi. Alors on a un petit peu d'argent, est-ce qu'on pourrait pas prendre ces 20 balles là, si on veut faire ça? Et là si on veut les plans améliorés. Ok, on va prendre de quoi améliorer un objet. Bah t'es fatigué, va dormir toi. Non, attends, va mendier parce que c'est lui qui va aller dormir pour récupérer de son saignement. Toi tu t'entraînes là. Et là, l'amélioration, il nous manque encore un petit peu de produits électroniques. Ils s'arrêteront jamais ces produits électroniques, hein. Commence à être en déj de bouffe, il va falloir finir de cuisiner. Ça va peut-être être un travail pour Noah d'aller cuisiner un peu. Vu que les autres, il faut qu'ils s'entraînent.
Oui, bah Noah, tu finis de cuisiner puis tu iras prendre ta douche, tu vas pas chouiner quand même. Ça va? Une intrusion dans 20 heures et un vol, un grand vol d'ordures juste après. Ici, on pourrait réenchaîner sur de la cuisine. Toi, bah va dormir, qu'est-ce que tu fais? Ça suffit un peu. Il s'arrête pour manger en plus. Mais bravo. Bel état d'esprit. On va aller mendier un peu pour gagner des sous. Top, c'est la nuit. Personne ne m'a dit que c'était la nuit. C'est pas toi que je veux voir. C'est lui là. Il nous vend des graines de patates. On va lui en prendre. Comme ça, on va pouvoir lancer la troisième culture simultanément. Alors, toi, tu fais rien. Va prendre une douche. Putain, c'était juste, hein. Moi j'ai l'impression qu'on est un petit peu près dans une boucle, il faut qu'on entraîne nos mecs parce que sinon on s'en sort pas. Mais on peut pas vraiment aller faire les zones parce que ils ont du mal. Ils sont pas un peu précieux mes clodos? Ouais, il faut qu'ils se douchent tout le temps, hein, t'as remarqué toi aussi. C'est insupportable, hein. Après soi-disant ils tombent malades et tout. Non, fais de la thune toi. En 5 heures l'intrusion, on va aller dormir un peu dès qu'on a fini là. Allez, go. Toi aussi. Alors après on a notre portail qui peut empêcher les intrusions, mais c'est 20% de chance donc on peut pas vraiment se baser dessus pour l'instant. Allez, prends ta douche, vas-y. Voilà, t'as pas eu le temps. Trois personnes qui rentrent. Ça va, ils ont l'air corrects. On y va, les gars. Vas-y, provoque-les. T'as les forceras à faire le tour. Un stun. Alors là, quand ils sont stun. Avec leur coup de pied qui réinitialise le stun, c'est quand même hyper violent. Hein. Direct ça les calme les mecs. C'est le grand vol des ordures, non, va te reposer. Lui il va finir sa douche. Une heure, le temps qu'il se lève et tout, c'est pas la peine. Kenshi. On va aller par là-bas par exemple. Ok, on va tenter de ramasser un max de métal. Alors ça va pas être simple parce que avec Tenchi dans le mal, bah on est dans le mal. Mais bon, il va les aggro un petit peu au début. Même pas d'ailleurs, il les a pas aggro. Ah putain, ils m'ont fait l'effroi quoi. Ça c'est infernal ça. Ça fout tellement le bordel. Même Noah s'est fait défoncer, non. Noah ça va, il tient, mais à 1 contre 3. Ouais. Oh là 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 là, c'est terrible. Bon. Toi, t'as plein de vie, donc ouais. Tu vas. Enfin, t'as plein d'énergie, donc tu vas te reposer, tu vas t'entraîner. Noah, il va se reposer un petit peu. Après, il va aller taper dans le ballon. On a plus beaucoup de bouffe, hein. Ouais, va falloir qu'on cuisine un peu. Oh non, non, tu continues de t'entraîner, toi, c'est bon là. T'as encore 24 d'énergie, tu te fous de ma gueule. Non, putain, je me gourre. Je les confonds toujours avec leurs cheveux roux là. Level 15.
Alors là, on peut choisir, ça déclenche si la cible est épuisée ou attaque 7% plus rapide. On va prendre l'attaque 7% plus rapide, c'est très bien. C'est très très bien. Va par là. Toi, va te reposer. Toi, va te reposer. On a un petit peu de temps pour récupérer, heureusement. Est-ce qu'on pourrait faire des trucs? On a combien là? On a deux. Il nous fallait trois pour je sais plus quoi, pour améliorer ça. Ouais, il nous faut trois pour améliorer ça. Dommage, dommage. Hein. Et on n'a pas réussi à finir la nourriture avant, donc on n'en pourra pas aller acheter ce qu'il faut. C'est pas grave, toi tu vas t'entraîner. Toi tu t'es remis, pareil, tu vas t'entraîner. Et l'hiver se rapproche, hein. La température se remet à baisser, il va falloir qu'on surveille ici d'ailleurs. Parlant de surveiller, hop, remettez à pousser. On va refaire un petit peu de viande. Même beaucoup de viande, allez hop, c'est parti. Toi tu vas t'entraîner, ça me va. Bon, il n'y a plus que Kenshi qui saigne. C'est ça, Falsteg. Du feu pour les plantes pour qu'ils aient pas froid. On leur met une petite torche et comme ça, bah, elles continuent de pousser même en hiver. C'est malin, hein? Ils sont pas bêtes, hein? Ouais, on va prendre les 10% de chance d'étourdir. C'est beaucoup trop puissant pour s'en passer. Bah toi, tu vas te reposer. Qu'est-ce que tu fous là? Scandale, ça. Et toi, pareil, t'es. Certes, t'es encore un petit peu en train de saigner, mais. Tu peux quand même travailler. Là, on est plein de chez plein, là. Ouais, on est plein de chez plein. Pourquoi il fait rien lui? Noah, il se repose un peu sur ses lauriers, j'ai l'impression. Bon, tu vas aller ici, les autres, on va les mettre à reposer et on va peut-être aller se faire un coup de visite quand même. Il faut qu'on trouve des moyens d'avoir un petit peu plus d'argent. Oui, bah toi tu glandes 2 secondes le temps que Michelangelo récupère. La lune rouge. Je sais pas ce qu'elle fait celle-là. Alors ici, il nous faudra une boîte à outils. Il y avait un mec qui nous filait des boîtes à outils quelque part. Je me demande si c'était pas là. Allez Noah, apprends-lui un petit peu la politesse là. Ah, l'autre qui va se pointer au milieu, il fout de la merde. Ok, c'est bien, il a foutu la merde en notre faveur. C'est parfait. 0,97, t'es sérieux? Ah non, après on peut looter. Un blouson de fac de droit, 30% de bonus d'énergie, 10% de réduction des dégâts. Pied. C'est bon ça. Non, sac. Ce serait pas mal un petit truc comme ça pour le tank là. D'ailleurs, tu vas aussi prendre la caisse qui t'empêche les blessures à 4%. C'est quand même toi qui encaisses les coups, donc c'est quand même légit que t'aies l'équipement un peu plus efficace. Le débardeur seul. Non, ça va.
Le reste, c'est correct. On n'a rien d'autre à fouiller dans le coin, donc ça c'est plutôt cool. On a quand même réussi à nettoyer un petit peu. Le quartier industriel, faut qu'on y repasse en journée. On retourne y faire un petit tour en journée, à l'occasion. Bah du coup vous avez la nuit pour vous entraîner les gars. Donc toi tu vas là, toi tu vas là. Et du coup... On peut pas leur parler à eux. On pourrait faire un piège mais c'est pas utile. Ce qui nous manque c'est du légume donc pour l'instant c'est pas pressé. On pourrait refaire un récupérateur d'eau de pluie mais ça va consommer notre électronique et on veut toujours améliorer ça. Hein. Allez, le grand vol d'ordure est dans 7 heures. Toi, va te reposer vite fait pendant qu'il y a un trou et après, tu vas t'en occuper. Ah, on n'a plus de bouffe. On n'a plus du tout de nourriture. On n'a pas un légume qui se termine bientôt là? 88%. Va te reposer, toi. Et ça monte pas vite hein. Donc tant pis, on va attendre ça. Une fois qu'on aura un légume de plus, on pourra faire ça là. Ou alors, on s'embête pas, on achète des carottes au marché pour 80 centimes. Allez, go. Et du coup, on lance une petite cuisine. Et on participe. Alors, j'aimerais la voir là, cette foutue électronique là. On est quand même peut-être capable à un moment de gérer deux péons. Oui, non, peut-être. Qu'est-ce qu'il fait lui? Fixation. Ok, il fixe du regard la ligne de fond, mais on n'a pas de ligne de fond, donc ça tombe mal pour toi, mec. Ah, il a réussi à mettre un coup sur Kenji quand même, quoi. Mais on peut améliorer nos haltères. Oh bah ouais, carrément, elles sont plus classe. Ça change tout. Va te reposer, toi. Et toi, va te reposer aussi. On a débloqué 10 balles. On peut débloquer Invincible. Réduit les dégâts reçus de 20%. Paraît pas mal. C'est dans quelle arme? Endurance. C'est là. Ah oui, ok. Pour l'instant, on peut pas prendre du tout, il nous manque des trucs. Non, pour l'instant la priorité c'est le juron pour lui. Lui, si on trouve un coach de force, on va l'enlever. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des recherches en agilité. Alors, toi tu vas aller ici. Toi tu vas aller dormir derrière. Et Noah, tu vas finir la cuisine. Et dès que lui il a récupéré, on va essayer de se faire les mecs du chantier, là, level 14 et tout, là, on peut peut-être maintenant. Il y a peut-être moins que ça passe. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va filer un champi à notre ami là, là. Il a pris un point là-dedans, pourquoi pas. Bonus d'attaque, perte d'hygiène, 15 d'expérience en force. Ouais, bonus d'attaque, ça reste intéressant. Comme ça, il passe level 12 lui aussi. Ah merde, il commence à avoir très faim. Donc on va peut-être attendre qu'il puisse au moins manger. Voilà, manger, allez-y. Mais non, mais il recourt pas cuisiner. Ah merde. Il a lancé une recette à la con. Tant pis. C'est pas grave. On va aller au chantier. Le chantier de construction. Bob le bricoleur, on y va. Kenshi et Noah, au fight. Ils sont vénères en face quand même, hein. Mais on commence à avoir pas mal de vie, pas mal de compétences défensives. Le 29, un de KO. Ouh, il nous fait un coup de pied retourné dans la tête.
On n'arrive pas à le stun, mais on l'a mis une hémorragie. C'est beau! C'est beau! Magnifique combat! Et on récupère plein de bouffe. J'appelle la police, c'est inacceptable. Mais non, mais non. Biplastique et un petit peu de sous. Vous êtes l'élu, n'est-ce pas? Le congrès vous envoie ses condoléances, tenez. Et alors lui, c'est quoi? Vous voulez ma planche? Vous allez devoir vous battre pour l'avoir. Gros puncho. Méditer, blocage, coup voleur, coup retourné, coup de boule. Bon. C'est pas tout de suite. Hein. Et on a débloqué une zone. C'est pas là. C'est là que je veux aller. On a débloqué le foyer pour sans-abri. Y'a rien dedans, y'a rien dedans, pas de chance. Une voiture, mais faut une clé de voiture. Là, y'a une benne à ordure, là. Y'a rien dedans non plus. Eh bien. Retourne dans la file, on a tous aussi faim les uns que les autres. Tu essaies de passer devant, mais non. Alors, vous voulez ces oplactis? D'abord, faites-moi une faveur, aidez ma fille avec l'argent. Elle traîne dans le quartier chaud. Des poils pubiens. Ok. Il faut qu'on récupère les poils pubiens de sa fille qui traînent dans le quartier chaud. Eh ben, bonne fin de journée, Falseag. Merci beaucoup d'être passé. Une personne en face. Eh ben, on va envoyer Panoa. On va envoyer Michelangelo. C'est parti. Montre-lui. Oh, magnifique coup de pied retourné. Et bah voilà. Un bal. Ah, on peut avancer dans la pile jusqu'au bout. Ah, c'est marrant ça. On va voir si Noah il peut se le faire en étant un petit peu fatigué. Ouais, les quêtes, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Ah là, le stun, c'est bien Noah, c'est ça qu'on veut. Juste on lui a mis de l'hémorragie. Allez, faut le finir. Bien joué. Bon, par contre, le dernier combat, on n'est pas bien. Je pense que c'est pas jouable. Du coup, tout le monde mange. Du coup, toi, va te reposer. Toi, va te reposer. Toi, tu continues de mendier un peu. On va continuer de faire de la thune et, avec un peu de chance, de la nourriture. 4 degrés, il va falloir commencer à surveiller un petit peu les plantes là. Alors, combien il nous reste de viande de rat? Ouais, il nous reste plein de viande de rat. Il nous reste 13 de ces trucs là, donc c'est vraiment les légumes qui nous manquent. Donc pour l'instant, les légumes, on va se calmer. On va tenir cette recette vu qu'elle a été lancée malheureusement. Toi, tu vas te reposer. Toi, tu vas un peu, et si on peut y retourner avant la fin de la nuit, ce serait cool. D'ailleurs, on va y retourner parce que il y a une quête là. Ah zut, il fait déjà nuit. Wow, wow, sinon c'est une nouvelle zone. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh oui, des tomates, ça c'est cool. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il reste encore 64 heures à bosser avant de pouvoir me reposer. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est glauque. Ces enfants travaillent si vite. Tim Cook ne peut pas nous employer parce qu'il pense qu'on est gros et feignants. Vous pouvez ramener ces enfants auprès de leur mère? Et retourne bosser, bande de fainéants. Je ne vous paie rien du tout si vous n'avez pas assemblé 1000 téléphones avant la fin de la journée. Ha ha, Tim Cook. Ah putain. Ah c'est horrible ces quêtes quoi. Cook a dit qu'il avait retiré les chargeurs des emballages pour sauver l'environnement. Haha, très drôle. C'est tellement ça. Vendeur de haches, j'ai perdu mon travail, du coup j'ai piqué toutes ces haches pour décapiter leur tête. J'en ai une en trop, cela dit, vous la voulez. Faiseur de planches, qu'est-ce que vous voulez? Une croix? D'accord, apportez-moi mes planches et je m'en charge. On lui donne des planches. Et il nous fera une croix. Il va enfin pouvoir acheter du riz après 3 jours sans manger. C'est horrible. C'est horrible. Bien sûr qu'on va aller, on va essayer de les renvoyer chez leur mère. Bon, il va falloir qu'on les tape un peu, mais on va se battre pour nos 3$ par mois. Ah, c'est horrible quoi. Sérieusement.
Les quêtes de fumier. C'est ouf. On va taper sur les gamins parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas arrêter de bosser pour rien du tout, quoi. C'est tellement affreux. C'est tellement affreux. Il nous faut une hache, ouais, c'était 10 balles, ça m'embête un peu 10 balles. Bon, de toute façon, on les a pas pour l'instant, mais il nous faut carrément une hache, ouais. Vainquer les esclaves. Ah, mais c'est sur lui qu'on veut taper là. Tim Cook, non, mais sans déconner, Tim Cook, quoi. Toi, tu te reposes, ok. Ah, là, on a un niveau, on est passé level 16 avec Noah en tapant sur les gamins, parfait. Par contre, pour l'instant, tu peux rien en faire de ton niveau. Il nous faut un coach de force. Et on peut améliorer ça. Non, c'est pas utile, on n'a qu'un seul mec qui s'entraîne. Alors, toi, tu te reposes. Toi, tu vas aller te reposer aussi. Toi, tu vas nous finir cette recette. Toi, tu vas aller mendier. Il nous faut de la thune. Et dans 20 minutes, on a une intrusion dans les ordures. On va être bien. En pleine nuit, en pleine lune rouge, quoi. Bravo. Très bel état d'esprit. On y va tous, bien sûr. Je crois qu'il va falloir qu'on commence à chercher un quatrième larron. Ça y est, il a fait sa provocation. Ça va aider. Ouais, ça va être carrément dès qu'il fait sa provocation. Hein. Y a pas photo. Alors, tu finis ça. Toi, tu vas te reposer. Toi, tu vas te reposer. Ça me va bien. Ça y est, c'est fini. Et normalement, là maintenant, on a ce qu'il faut pour faire une vraie recette. Mais d'abord, tu vas aller mendier. Tu vas récupérer doucement. Toi, tu t'es levé, mais tu te recouches. Non, non, tu te recouches. Tu cuisines pas. Jamais de la vie. Toi, tu cuisines par contre. Allez, les 8 heures. Bientôt. On va aller retaper un peu sur les enfants. Parce que pourquoi pas. C'est horrible quoi. En plus, ils sont vraiment tout rachitiques et tout quoi. Aïe 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 aïe. La bannière est pas niveau max dans Kenton. Faudra que je l'améliore encore un petit peu si on veut avoir le dernier gars. Mais ça coûtait assez cher la recette. Putain, ils sont vénères hein. Ils ont remis Noah KO quoi. Pour une fois, c'est Michelangelo qui gère le truc. Nous sommes enfin libres. Tout va bien à présent, on peut gagner notre pain en travaillant pour Tim. Tiens, Tim. Et ça, du coup? Non, vous ne prendrez pas mes créations. Ah, d'accord, on peut aussi fight Tim. Par contre. Bon, bah, désolé Noah, mais tu gagnes un décès gratuit. Coup de l'ouragan, attaque de zone. Voilà, bon bah, ça c'est fait. Contrairement à vous, tout ça me rapporte une somme ridicule. Sympa. On va se reposer puis on va aller lui mettre une fessée, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que c'est tout à fait adéquat. Ah non, je l'avais pris, tiens le. Ah non, je l'avais pas pris. Il faut que je recherche l'amélioration, ouais, c'est ça. On est d'accord. Toi, va mendier. Toi, va te reposer. Et toi, dès que t'as fini, tu vas refaire la recette. Voilà, on va être en pleine forme. On va lui faire la peau. On a débloqué le pont des mariages aussi. Allez Noah,
Venge-toi. Ah, il est niveau 25 quand même le mec, hein. Ah, il m'a fait le défroid ce con. Putain, ça dure longtemps. La vache. Ah ouais, il est un peu énervé le mec là. Ouais, pour que je recrute, faut que je l'améliore, mais il faut 10 balles. Plus ensuite l'améliorer, bien sûr. Et je pense qu'il va falloir qu'on commence à travailler sur la douche pour que cet hiver il n'ait pas trop froid. Mais avant, on doit pouvoir se faire le dernier sans-abri là. Michelangelo, il peut peut-être se le faire. Aïe. Ouh. Oh la vache, il enchaîne. Ouh oui, bien joué. Et du coup... Deux repas pour seulement 50 cents. Bah non, c'est pas le cas là. C'est deux repas pour deux... C'est un repas pour deux balles. Et du coup, si on fait ça, il faut qu'on la batte et elle level 15. Tenter avec Kenshi, j'y crois pas trop, mais. Ils se sont chacun provoqués l'un l'autre, comme ça au moins. Oh le coup de boule, mais elle nous stun pas, on résiste. Bon, on va quand même tomber, hein, clairement. Ah, on a plus la stun, ça, ça peut aider. Oh non, on est trop fatigué. Ouais, nos Aston, c'est fini. On n'a pas le niveau pour s'attaquer à elle encore. Bon, bah du coup, l'occasion d'être reposé toi aussi. Il est où lui? Il est là. Vas-y, finis la popote, tu vas manger comme ça. Est-ce qu'on peut en relancer une? On peut en relancer une, ouais. Donc... ceux qui sont blessés, reposez-vous. Toi, tu vas recuisiner pendant ce temps-là. Ouais, Tim Cook, c'est un peu un gros fumier, on est d'accord. Hein. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Alors, toi, tu vas peut-être pas non plus trop glander. Hein. Hop, à te reposer. Quoi, bah au moins quand tu te reposes ton saignement s'en va, donc tu retournes là. Ah, il a réussi à mendier une bouffe, deux bouffes puisqu'il y en a deux qui mangent. Allez, va dormir, toi tu mendies. Là, est-ce qu'on peut se refaire une recette? Non. Dommage. Ah, bah là, voilà, par exemple, il fait trop froid. Il est temps de alimenter un petit peu notre truc, sinon les plantes meurent. Et on perd les 4 graines, hein, ce qui serait quand même dommage. C'est parti pour le vol d'ordures. On va essayer de gagner notre pièce d'électronique. Toujours notre petite pièce électronique critique. Allez les gars. Ah les froids. Ça fait mal. Bon heureusement il y a Noah qui a pas eu peur et qui s'occupe de faire mal aux fesses. Par contre du coup ils ont envie d'aller taper sur lui. Et ça c'est pas bon. Là ils sont tous les deux quoi. Oh là là, 78 PV là, c'est la violence hein. Allez, ça va se jouer entre vous deux, mais il nous reste 2 PV. Oh, il a gagné avec 2 PV, c'est beau. Je suis en train de me dire qu'on est la nuit, il est peut-être temps d'aller faire un tour.
à la baie de chargement, voir l'huile. Hein. Parce que tous nos crop tops à la con, on va garder un légendaire, on va vendre le reste. Voilà, comme ça on a un peu de sous. Et du coup, on pourra en terminer avec eux. Alors du coup, toi tu vas dormir. Et là, pour l'instant c'est pas gelé l'eau. Il fait juste trop froid pour les plantes, mais pour l'instant l'eau n'est pas gelée. Donc ça va être le moment de prendre des douches. Toi va prendre une douche. Toi tu vas être reposé. Toi tu vas là, toi tu vas te reposer, toi tu m'en dis. Et oui, parce qu'il faut des torches aussi pour réchauffer la douche, sinon l'eau gèle, bien entendu. Grand classique. T'es levé, toi. Alors, tout le monde est en forme et il fait jour. Donc du coup, ici, il nous reste lui, on peut taper. Mais je pense qu'on fait pas le poids, si j'en crois le petit crâne qui est sur sa tête. Ici, on pourrait rejoindre l'arène, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas été voir. Ah, là on pourrait faire le casse si on fait ça, on va le prendre. Et avec 10 balles, on pourrait aussi acheter la hache. Le pont des mariages. Un couple marié et heureux, des gens qui se tapent dessus. C'est ça le pont des l'endroit chaud de la ville. Alors, marié, nous sommes heureux. Cela dit, la dernière cérémonie du lit est sur le point de commencer. Je dois porter ma femme jusque sur ce pont. Ces motards ne veulent pas nous laisser passer. Vous voulez bien nous aider? Ah, mais c'est pire en fait, il faut qu'on s'envoie en l'air avec la fille de l'autre pour gagner des poils pubiens. D'accord. C'est génial ces caisses, c'est totalement n'importe quoi. Allez, on va essayer de sauver sa fiancée. Tapez. Kenshik encaisse comme d'hab. Il encaisse pas mal quand même là. Ok, il y a un ennemi de moins. Deux ennemis de moins. Kenshi est KO. Et on a fait le taf. Oh, 5 balles. Allez, on va pas s'embêter, on va aller chercher notre... On n'a pas de récompense. Ah bon. Il nous faut une dernière petite chose, un chapeau de mariage. C'est le motard, on jeté du pont et s'en va je ne sais où. Vous pouvez en trouver un nouveau? Ouais, ça devient Peggy 17. Ouais, je voyais la quête ici en fait. Je pensais qu'il fallait juste qu'on trouve la fille et que voilà, bon... Elle aurait un petit peu passé une bonne nuit, mais non quoi, c'est carrément la teuf quoi. Ok, ok, alors ici, du coup, on avait plus rien à faire à part ce fight, mais on n'a pas le niveau. L'usine, on pouvait lui acheter une hache, ce qu'on va faire de ce pas. Et lui, il veut qu'on lui file de la nourriture pour 001. Allez. Et du coup, il nous vend des composants de téléphone pour un bal. Ok, pas mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Le chantier de construction, il restait lui avec sa planche, mais on n'avait pas le niveau non plus. On a donc débloqué le centre-ville. Ah, le quartier chaud, il est là. Ok. La place de Garbage. Putain, c'est vraiment glauque jusqu'au bout cette ville. Hein. Au moins, il y a du loot. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je regarde juste mon fil d'actualité, très bien. Vous voulez un conseil pour vous mettre à la musique classique? Commencez par Debussy. T'es à son apogée quand il est encore jeune et n'oubliez pas de finir par Bach. Ok, merci. Les manifestations sont sur le point de commencer, mais je n'ai pas de connexion. Ah, c'est pas de chance. Alors, c'est quoi la quête? Je viens ici chaque jour avant le travail pour rendre hommage au chef suprême, mais cet homme détestable me harcèle pour avoir de l'argent. Vous voulez bien m'aider? Aidez-moi, je vous en prie, j'ai besoin d'argent et de nourriture, j'ai très faim. Il y a un type, demandez-lui du fric, qui fait l'éloge du dictateur corrompu qui a piqué tout notre argent. Mais oui, bien sûr qu'on t'aide. Carrément. Par contre, on n'est pas trop en condition pour t'aider tout de suite.
mais on va t'aider, y a pas de problème. Ouais, donc si je veux cette compétence, il faut que j'ai ça en fait. Ah, c'est tendu. Dommage. Ah ouais, ça c'est chiant par contre. Bah du coup, on va partir par là. On va prendre les compétences, on va les débloquer juste pour aller là vers là. Bon, il y a une régénération quand même en combat qui est pas dégueu là à prendre. Alors, Soren, le but, je suis pas sûr à 100%, mais normalement, c'est de devenir le roi des clodos. Donc, c'est de prendre la place du roi des clodos. On est censé être l'élu. L'élu de quoi? On ne sait pas trop. Mais on est censé pouvoir, comme ça, prendre le contrôle des clodos, à défaut de la ville. Et salut Azurheim, bienvenue sur le live. Ouais, Pénis, non mais on est d'accord, hein, c'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi, l'humour du jeu et... What the fuck? Alors, maintenant qu'on a notre hache, on va pouvoir aller abattre le poteau de basket sur lequel il y a la gamine. Et du coup, on récupère du sang de vierge. Ah putain! Ah, ils ont dû faire des grosses soirées bien arrosées et saupoudrées. Oh oui! Ah, et puis c'était pas saupoudré de farine, hein. Oh la vache! Bon, bah du coup, on a du sang de vierge, hein, pour aller au quartier religieux. Donner notre sang de vierge à elle, là. Puisse notre sauveur, l'antéchrist, naître. Ok, donc on a le sang de vierge. Très très bien. Il nous manque quoi déjà? Des cierges et une urne qui contient les cendres des morts. Ok. Parfait. Ils croient vraiment qu'ils ont pendu le vrai Jésus, apportez-moi la croix et plus vite que ça. La croix, il nous fallait des planches pour la faire. Mais j'imagine que je suis sûr que si je lui file la croix, il va vouloir crucifier ce mec. C'est n'importe quoi. Complètement n'importe quoi. Rentrons nous reposer un peu. Tous ces gens sont fous. Alors du coup on va pouvoir faire un peu plus d'eau avec tout ça. Et là, la serre, il faut 15 pour la serre, dommage. Alors toi t'es blessé. Tu vas aller te reposer un peu. Toi aussi, repose-toi un peu pendant ce temps-là, l'autre il fait son petit mendiant. On a gagné des champis. On va filer un champi à notre ami là. Hop, level 17. Il l'a pris où son level? En force. Non, t'en avais déjà autant en force. En endurance, il l'a pris. Ok, pourquoi pas. Pas très utile. On a toujours pas trouvé de coach en force, ça m'embête par contre. Mais beaucoup. On va prendre ça, le balayage. Alors ici, on peut pas cuisiner, on a un petit peu de repas d'avance. Toi, il faut que tu t'entraînes en agilité encore un peu. En endurance, pardon, et toi tu t'entraînes en agilité. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de quatrième Gus à recruter dans Azurheim, et mon drapeau n'est pas assez bon pour pour recruter une quatrième personne malheureusement. Il faudra que j'achète le plan et ça coûte 10 balles. L'argent commence à devenir un problème, hein. On va pas se mentir. On en ramasse un petit peu en mendiant, mais c'est pas non plus ouf. Et les récompenses qu'ils nous donnent, les mecs, bon voilà quoi, c'est pas. Toi tu vas prendre une douche, ok, ça me va. On pourrait aller essayer de se faire le sympathisant riche du dictateur là, je sais pas quel niveau il est. Vu la récompense qui est pas dingo, il est peut-être pas si fort. Hein. Peut-être qu'on aura de la thune. On va récupérer un petit peu d'endurance. Là, je pense pas qu'on puisse attendre que ça soit remis. Allez. Du coup, on va dans le centre-ville, ici. Ne voyez donc pas que je rends hommage au chef. Niveau 16, c'est un travail pour Noah. Allez Noah, fais-lui la peau.
Il y a la fixation de la ligne de fond, mais il y a personne dans la ligne de fond. Violence! Oh la violence! Le 44 points de dégâts direct! Attends, attends, tu déconnes ou quoi? On va t'envoyer Kenshin. C'est ce truc là, là, 40-80% de chance d'ignorer toute armure là. Ça fait hyper mal. Ah, oh, il me stun! Oh la vache! D'accord, donc c'est un niveau 16 mais boosté aux hormones le mec. Hein. On retient, on retient. Bah va dormir du coup. Ça pique. Ça pique un peu. Alors Noah, ça y est, il est un petit peu remis. Il a plus son malus. On va retenter un dernier coup avant la nuit. Avec Noah. Et niveau 17 Noah quand même. Hein. Bon, le problème c'est qu'il manque un peu de compétences de haut niveau parce qu'on n'a pas trouvé le... Le coach en force. Voilà 0,76, t'es sérieux? Donnez-nous l'argent tout de suite. Ah, mais par contre... Il y a des mecs des forces spéciales qui arrivent. Nous ne tolérerons aucune manifestation sur cette place. On a vu ce qui s'est passé ici. Notre gouvernement est violent. Apparaissons sur tous les réseaux sociaux tout de suite. Prévenez, provoquez l'aumône. Il nous faut plus de contenu. Ouais, le gouvernement, on tabasse des gens dans la rue, il envoie les flics. Scandale! C'est pas normal. Allez, on a débloqué le toit. Très bien, on a un mec déguisé en alien. Non, un alien. Louez notre seigneur et sauveur, Alak Akun. Bibop caca, ami extraterrestre, bob bap. Donc on a... un alien sur le toit. Est-ce que je plane? Non, cet extraterrestre est bien là, il nous a piqué toutes nos vaches. Enfin, mes amis, quoi. Aidez-nous, je vous en prie. Battez l'extraterrestre. Alors, mon dieu. Oh la vache. Invocation de déchets, invocation de déchets, lâcher d'oiseaux. On peut y aller à plusieurs, hein, donc je pense qu'on pourrait se le faire. Mais il faut qu'on soit en forme. Du coup, toi, tu te reposes. Et si on récupère avant la nuit, ce qui va être juste... Allez, 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 allez. Oui, très bien. On va se tenter l'extraterrestre. C'est parti. Oh! Ah! Ah putain! Ah ouais! Tranquille quoi. Il nous a lancé ses trucs avant même qu'on s'approche, il nous a dépouillé. Bon bah ok, on n'a pas le niveau. C'est acté. C'est acté, c'est acté. Bon c'est bien, on n'a pas eu de blessure, il n'y a que lui qui a un petit saignement. Mais il va falloir s'entraîner encore un peu hein. Non, toi tu vas nous faire de les sous. Toi tu vas là. Alors ici, on a des trucs qui travaillent plus. Ça va pas du tout. Mais ça veut dire qu'on doit avoir de quoi faire une recette aussi. Ouais. Donc toi tu vas être reposé. Et toi, pour l'instant, mendier. Mendier, ça peut faire des sous et de la nourriture. Donc. Ouais, il faut qu'on achète l'amélioration de l'étendard. Ouais. Mais on va... je pense que dès qu'on aura 10 balles, on le ferait. Je voulais essayer de me débarrasser, d'acheter un maximum de compétences du coach d'agilité. Pour pouvoir me débarrasser de lui sans que ça soit. Enfin, sans qu'on ait des malus quoi. Parce qu'après, s'il faut le re-racheter pour avoir les compétences, c'est un peu con. Mais. C'est cher quand même. Et vu que de toute façon, on trouve pas le coach en force, c'est pas très très prioritaire. Il nous reste encore 6 rats et du poisson et des restes de bananes. Ok, ça va. Toi là, go. On va essayer de viser les 10 balles pour aller chercher ce truc là. On a une intrusion dans les ordures dans pas longtemps, donc toi tu te reposes et toi tu vas plutôt aller cuisiner. Non, tu vas être reposé pour gagner de la vie.
Ici, il faut pas qu'on construise une torche, hein, non. Toi, tu vas cuisiner. Et toi, tu te lèves pile poil au bon moment. Voilà. Alors, ils sont trois. On y va tous, hein. Il y a un mec derrière. Mais il a pas l'air d'avoir de compétences vraiment à distance. Par contre, la provocation a pas marché sur la ligne de fond. Ce serait bien de pouvoir mettre des couleurs sur nos mecs parce que c'est un peu le bordel, on comprend pas toujours ce qui se passe. Hein. Kenshi a réussi à tenir debout, bien joué. Et c'est bientôt le grand vol d'ordures, donc toi, tu vas te coucher. Et Noah, tu vas te coucher aussi. Pourquoi je peux pas prendre le lit là? Ah merde, je me suis couré. Hop, allez, reposez-vous. Vous avez 1h30 pour récupérer, ça devrait suffire. Oui. Et on va se battre bah pour ça encore. Hein. Ça reste une zone relativement bas niveau, donc on peut se la faire normalement assez facilement. Sauf qu'il a... non, ils ont pas les froids. Le salto arrière qu'on esquive, pas mal. Allez. Voilà, ça c'est propre. Oh, on a récupéré une clé de voiture, c'est bon ça. Il y avait une clé de voiture, il y avait une voiture dans la décharge. Là. On trouve de la drogue. Bon, OK, admettons. C'est pas aussi ouf que ce que j'espérais, mais c'est pas mal. Par contre, on a toujours pas de thunes. Les deux, reposez-vous, ouais, ça me va. Toi, tu vas aller cuisiner. Toi, tu vas finir. Ton petit mendiant, là. Ok, t'as pas eu de ration, mais on a bientôt des sous. Quoi, va mendier un peu. On a bientôt les 10 balles pour l'étendard. Après cela dit, pour l'instant on n'a personne à recruter, j'ai trouvé personne qui ne m'a proposé d'être recruté, donc c'est pas forcément non plus une question de se presser quoi. Dans le centre-ville on n'a pas débloqué, ouais on avait débloqué le toit, mais alors le toit sérieux les extraterrestres quoi. Après on peut se tenter eux là, on pourra peut-être recruter quelqu'un dans tout ça. Vous voulez être incarcéré pour conspiration contre la sécurité nationale? Allez. On va voir si on peut se les faire. Si pour le coup ils ont un peu un meilleur équipement que nous, je pense. Allez, venez, venez. Oh. Pauvre Kenshi là. Il prend un peu cher, on en a mis un KO. Deux KO. Allez, le dernier. Kenshi est KO. On est fatigué. Ça passe! Et on récupère un petit peu. On va vous kidnapper quand vous y attendrez le moins. Ah bah bravo, bravo le gouvernement! On avait 6 sex and sun et maintenant on a drogue à défaut de sun. Ouais, c'est. Bon, on a par contre les récompenses, c'est un peu la merde. Hein. Vous avez déjà rêvé de casser le chef, c'est l'occasion rêvée pour ma chaîne. Ah, mais d'accord, c'est le dictateur du coup. Le corona peut être soigné avec un tracteur et beaucoup de vodka. Pas très bien. Après, c'est peut-être pas qu'ils sont forts, c'est peut-être juste que c'est un boss. Hein. Alors. 10% à tous les dégâts, 7% plus rapide. Wombo combo 2. Ajoute 5% de chance de faire une attaque supplémentaire dans le combo si un combo est déclenché. Fonctionne avec toutes les compétences de combo. Ah, ok, intéressant. Ou alors 7% plus rapide. On va prendre le combo. Normalement c'est exclusif. Et on peut aussi prendre ça du coup. Bah on va y aller. Hein. On va y aller. Bon bah faut qu'on se repose un peu. Puis on pourra aller tenter de se faire le chef.
Là, on n'est pas en état, très clairement. Alors, du coup, on a quand même récupéré un petit peu de nourriture, c'est cool. Toi, faut que t'ailles dormir. Les autres, il faut juste qu'ils se reposent un peu. Donc, toi, tu vas te reposer un peu. Là, on a fait la bouffe. Toi, va mendier. On a bientôt 10 balles. Ça serait cool de pouvoir recruter les extraterrestres, hein, Azurheim. Hein. Je sais pas si c'est possible. Hein. Mais je l'avoue, ce serait cool. Est-ce qu'on peut cuisiner encore? Non. Il nous manque des légumes, mais on en a bientôt assez. Par contre, la torche là, on va la rallumer parce que ça devient tendu. Donc toi, tu vas te reposer. Non, pourquoi tu vas cuisiner? Je t'ai pas demandé d'aller cuisiner. Tant pis. Nous consomme des légumes pour rien. Ah, quoique, il a peut-être pris la bonne recette juste à temps. Oui, ce légume-là s'est terminé juste à temps. Parfait. Toi, tu te douches. On va faire une petite avance de nourriture. Alors, on est en pleine forme. On va pouvoir aller faire un tour dans les zones de nuit pour voir un peu ce qui se passe. Moi et mon groupe de revendeurs à la sauvette, on essaie de mettre la main sur toutes les consoles, mais un autre gang veut faire la même chose. Si t'occupes d'eux, on te file une Dixbox. Ok. C'est la même quête des deux côtés. En gros, c'était pareil. Très bien. Botter les fesses de Lukashenko. Non, c'est pas ça. Tu veux vraiment te battre contre des enfants, juste pour des consoles? Tu n'as vraiment aucune fierté, clochard. Oh putain, ils sont plus énervés déjà ceux-là. C'est pas tout de suite. Et là, je nettoie cette cavité, mais j'ai besoin de meilleurs outils pour accomplir cette tâche. Pouvez-vous m'apporter ce dont vous avez besoin? Ah, mais putain! J'ai mangé tellement d'herbes, elle ne sort sous aucune forme. Le Seigneur m'aide à résoudre le problème. Oh, mais c'est pas possible, lubrifiant! Ah, mais les quêtes, c'est de pire en pire! Je suis moi-même surpris de ne pas être dégoûté. Oh la vache! Non mais sérieusement quoi. Alors on va regarder un petit tour. Donc là on a du combat au cimetière. Ici, est-ce qu'on tente lui là? C'est moi le singe en chef, ils m'obéissent tous. 230, niveau 50. Oui donc non, c'est effectivement que le combat est hyper dur. Hein. Pour notre niveau en tout cas. Clairement. Lui on pourrait peut-être le faire. Niveau 25, on peut se faire un niveau 25, on l'a fait déjà. On va essayer, il a quoi? Le vomi. Relâche le contenu d'un estomac détruit. Ignore le plus fort pendant 40 secondes. Ok. Oh, j'allais dire, on a fait un méga coup critique, et le mec il fait deux fois plus. Ah, ça pique. Ok, très bien. On va continuer de faire un tour des trucs de nuit qu'on a peut-être pas fait ici. Je pense qu'on a tout fait de nuit. Le foyer de sans-abri, peut-être pas, non, on l'a pas fait. Ah, là, il y a quelqu'un à recruter. Donc là, on pourra recruter quelqu'un, effectivement. Il n'y a pas assez de place pour tous les accueillir, je leur donne de quoi tenir au chaud. Pour 0,1, tu nous donnes du RC derrière mes deux? Bah, go, on prend, ouais. On leur file de la drogue pour qu'ils tiennent, pour leur tenir chaud, c'est gentil, hein. Pas dire le contraire. Donc là, on pourrait effectivement gagner un nouveau clodo. Ce qui veut dire qu'il faut aller mendier. En plus, dans 3 heures, il y a la Ligue des Justiciers qui arrive. Alors, s'il nous pique du blé, ça va pas être cool. Donc, on va essayer. Voilà. Ah, mais non, mais il fait nuit, on peut pas leur prendre leur truc là. Alors, ici, la cuisine, on peut pas en refaire. Donc, tu vas attendre un peu. Il va faire jour. Go! Il fait jour. Toi, tu nous donnes le drapeau du gang. Voilà. Ah, on peut avoir encore plus après. Et du coup, la Justice League arrive. Donc, même s'ils gagnent, ils n'auront pas de blé à prendre. À la suite d'une défaillance du streamer, Chobiti assurera la suite. Mais non, tout va très bien. Chobiti a dit qu'elle veut pas aider les gens.
La provocation a moyen marché, mais on les a défoncés, les flics. Hein. Ça leur apprendra à venir nous piquer des trucs. Alors, il faut quoi pour ça? Ouais, on peut le faire, allez. On a un drapeau suprême de gang maintenant. Et ça, c'est beau. Opieux, opieux. Amandier. Là, oui, on a 4 plantes qui poussent, hein. C'est bon. Il fait moins 5, donc l'eau est gelée dans la douche. Donc ils prendront plus de douche. Ok, il fait jour. On n'a rien avant 24 heures. Ici, on peut rien faire de très utile. L'usine, il y a Tim Cook, mais il est un petit peu énervé. Le chantier de construction, il y avait lui, mais il était un petit peu énervé. Pourtant, il est pas marqué comme... comme très fort, hein. Il est que niveau 22, hein. On peut tenter. Ah, il a quand même 128 PV. Hein. Si on le stun, ça peut passer. On a des bonnes chances de stun quand même avec lui. Ouais, il nous apparaît. Oui, on la stun, parfait. Allez, faut réinitialiser le stun, dommage, on a pas... Si on a réussi à réinitialiser le stun, on est fatigué. On lui a fait la moitié de sa vie, on est fatigué. Ah la vache. On lui a mis une hémorragie, ça c'est bon ça. Ouais, par contre il va se réveiller, il va nous enchaîner. Ah il médite. Le petit con. Putain on aurait pu le finir. Allez un dernier coup. Non, dommage, 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 dommage. Bien bien dommage. Et du coup c'est la fracture. Terrible histoire. Terrible, terrible histoire. Ici, on peut peut-être se les faire, ceux-là, par contre, dans la journée, là. Je sais pas quel niveau ils ont. Ah, 23 quand même, hein. Coup de boule, uppercut, technique interdite, augmente les chances de coup critique de 20% et la chance de faire saigner de 15%. Ah, ils sont quand même énervés, hein. C'est lequel qu'on combat, là? Ah, c'est lui. Tiens, un stun. Attends, on lui fait 0 dégâts. Il est aveugle, il rate ses attaques. Très bien. Un coup de coude. Si on pouvait le restun, ce serait parfait. Parce qu'il nous enchaîne un peu là. Ah, dommage. C'est notre énergie qui pêche, hein. Mine de rien. Lui va continuer de mendier un petit peu. Attendons. Non, tu vas aller t'entraîner un peu. Non, tu vas finir de mendier parce que c'est quasiment fini, mais après tu vas t'entraîner un peu. Toi, pareil, entraîne-toi. Ça suffit de glander un moment. C'est moi qui vais t'entraîner. Toi, tu vas aller mendier. T'as une fracture là, tu vas bien donner envie aux gens de te filer un peu de thunes. Sachant qu'on est à toujours 66% seulement d'efficacité là et 33% seulement là. Hein. Donc pas non plus foufou, on va dire. Par contre, ce qui est cool, c'est que pour l'instant, ils ont plutôt chaud. Les vêtements sont bien utiles. Alors, on a récupéré un peu de sous. Là, si on veut, le tapis spécial, c'est 5 balles. Allez, vous continuez de vous entraîner. Au boulot. Ah, là, il n'y a plus de plantes, là. Hop, on remet une graine. Et on pourra refaire un petit peu de nourriture, si besoin. Grand vol d'ordures dans 6 heures, il va être l'heure d'aller se coucher. Allez, tu termines toi. Ouais, 4 heures, c'est bon. Poli.
C'est les coûts de les coûts en compétences, les coûts en énergie de nos compétences qui nous foutent dans la merde en général. Oui, je peux construire des trucs, je sais, je, mais faut aussi qu'il y ait l'intérêt de les construire. On n'a toujours pas débloqué la zone pour avoir plus de composants électroniques, hein, donc on va se contenter de ça. Par contre, ils font proie cette fois en face, et ils sont bien au level, hein. Lui, il nous a chargé comme un gros porc, du coup il est KO. Voilà, ça t'apprendra. Non mais oh. Hop là. Alors toi tu peux être entraîné mais tu vas pas faire grand chose du coup. Allez, en avant. Faut bosser là. Cinq balles, on peut prendre l'amélioration. Non, on n'a pas encore. Ah, je pensais qu'il allait nous. Non, il nous a tiré des rations. Ok, pourquoi pas. On va mettre un petit peu d'eau là-dedans pour qu'il puisse aller se prendre des douches. Avant de tomber vraiment malade, une douche avant, mec. Allez. Au dodo. Ça y est, on a les 5 balles. On va pouvoir prendre le tapis. Et je pense qu'on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. C'est parti. On améliore notre petit tapis. Voilà. Déjà. On va gagner un petit peu en capacité d'entraînement. Et avec les 5 prochains sous qu'on a, on pourra éventuellement se permettre un recrutement. Sachant que je sais pas du tout quel niveau il aura le gars, ça se trouve il sera tout nul. Il reste plus que deux de bouffe, il va falloir les cuisiner. Tiens, ça c'est un travail pour toi, tu commences à avoir froid, mon ami Noah. Où est-ce qu'on pourra trouver du lubrifiant, vous pensez? Dans le quartier chaud? Ah, un petit niveau pour Michelangelo. Alors, tu peux prendre le bonus de vitesse d'attaque. Pourquoi pas. Et après, tu vas aller t'entraîner en force. Il va peut-être falloir qu'on se reprenne une inscription quand même pour les arènes là. Ah, faut qu'on y aille dans la journée, mais parce que c'est vrai que du coup, on a l'arène pirate à faire aussi. Ah, il est pas bien, hein, Noah. Hein. Alors du coup là, on prend la régénération, c'est pas mal. Il va nous falloir cette compétence si on veut aller chercher ça. C'est-à-dire que lui, il va encore nous être un petit peu utile. Allez, on va attendre que cette pente se termine et on arrêtera l'épisode. Voilà, comme ça je pense à le faire. Et on va arrêter l'épisode là, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à dire un petit au revoir à la VOD dans le chat si vous le souhaitez. Et on va se dire à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.